tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des chemtrails, donc le sujet de la géo-ingénierie, et on peut voir que sur ce sujet, un flot ininterrompu d'informations est diffusé sur internet comme dans les médias en général. Donc pour les médias mainstream, il s'agit avant tout d'exposer à l'aide de petits montages explicatifs les nouvelles technologies, vantant le progrès avant de nous donner une réelle analyse constructive et une véritable information. Tandis que, au contraire, les médias alternatifs proposent et exposent les failles et les révélations au grand public, même si internet laisse la porte ouverte à toutes les théories possibles. La théorie principale voudrait que des molécules chimiques se comportant comme des noyaux ou antinoyaux de condensation soient dispersées dans l'air par le biais du trafic aérien ou des avions ou drones privés et militaires afin de modifier le climat, le maintenir et le contrôler artificiellement. Le plus gros problème serait que les molécules qui sont à l'origine des agents chimiques dispersés soient nocifs comme les métaux lourds et provoqueraient des dégâts considérables à la biomasse tout entière. De plus, une réduction de l'apport solaire et une modification du climat local est constatée. Les organisations officielles dénient catégoriquement cette théorie, en passant de Greenpeace au gouvernement. Pourtant, des budgets colossaux sont attribués au domaine de la géo-ingénierie. Pour ma part, j'ai observé le ciel, tous ses aspects, afin d'y trouver le moindre indice qui pourrait confirmer ou infirmer l'une ou l'autre de ces théories. L'expérience que j'ai accumulée me permet d'affirmer avec certitude qu'il y a bien une modification climatique à cause du trafic aérien à un niveau local et global. Et je vais tenter de tout vous expliquer dans cette vidéo. Le premier indice évident et le plus difficile à observer, c'est le lien entre les traînées dites officiellement de condensation et la modification du climat local. En effet, même si un individu prend le temps d'observer le ciel et constate que ces traînées obscurcissent le ciel, il est compliqué de regarder l'évolution de ce phénomène durant des heures, des jours, voire des semaines. Partant de ce constat, notre unique solution réside dans la capture de vidéos grand format permettant la réalisation de timelapse, et c'est là que ce qui était imperceptible devient évident. On retrouve ce même principe chez les coraux, en apparence inerte et ô combien majestueuse une fois le timelapse réalisé. Pour les chemtrails, c'est la même chose. Des traînées en apparence seulement désagréables au regard, mais en réalité se révélant être le mécanisme à la base d'une modification climatique, et donc, par simple observation, bien plus que de simples traînées de condensation. Une autre constatation qui peut être faite concerne l'impossibilité pour les médias, le gouvernement et les entités publiques et privées d'expliquer de façon claire et unanime que ces traînées n'ont aucun impact sur le climat. Pire encore, en règle générale, il s'agit plus ou moins de justifier pourquoi et comment cette modification pourrait être bénéfique face aux enjeux du réchauffement climatique, tout en cachant un maximum au public les budgets et les moyens employés, de manière à dissimuler comme toujours les intérêts que cela implique. Oui, c'est tranquille, je me suis calmé. Mais quand même, il y a de quoi péter les plombs, comme il dit, hein. Il y a de quoi péter les plombs. On vous dit que le ciel, vous ne le voyez plus. Vous êtes aveugle. Peut-être que vous avez un problème. Vous ne le voyez plus, qu'il n'y a plus de soleil. Mais vous ne le voyez plus. Ce matin, 6 heures, un soleil qui est rentré dans ma chambre m'a réveillé. À 8 heures, c'était la poubelle du ciel. Ces malades mentaux qui balancent. D'où ils viennent? Pourquoi ils n'en parlent pas à la télé? Ah, ils en parlent dans l'émission, des fois, des petites émissions un peu comme ça. Oh, ben le ciel comme ça. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Bourdon, là, ce week-end? Ils ont été anéantis par des grelons qui pouvaient tuer les gens. Il y a une petite fille qui est morte parce qu'elle est tombée un arbre. Et ça vous dérange pas, tout ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Essayez de regarder le ciel. Arrêtez de regarder vos pieds. Jesse Ventura se trouve devant l'enceinte de ce qui pourrait être l'arme la plus dévastatrice de l'histoire.
et on l'empêche d'entrer. Donc, si j'éteins la caméra, je peux entrer. Non, vous n'avez aucune chance d'entrer. Des semaines d'enquête ont amené le gouverneur et son équipe jusqu'en Alaska, devant ce site top secret où l'armée envoie des millions de watts dans le ciel. Un site et un projet baptisé ARP. Veuillez vous éloigner, s'il vous plaît. Quand on me refuse quelque chose, ça m'énerve. Je ne m'attendais pas à être reçu de la sorte en tant qu'ex-gouverneur. Est-ce qu'on sait si cette technologie a déjà servi d'arme de guerre? Oui, pendant la première guerre en Irak. On a des preuves que l'armée l'a utilisée pour irradier les champs de bataille juste avant l'opération Tempête du désert au Koweït. Quand les blindés américains sont arrivés sur place, les troupes de soldats irakiens sont sortis des bunkers pour se rendre en masse. On sait ce que les ondes ARP ont fait? Ça perturbe le sommeil, ça provoque des angoisses terribles. Ça va jusqu'à déclencher des troubles intestinaux. Avec le bon dosage, vous pouvez rendre votre cible tellement paranoïaque qu'elle souffrira d'hallucinations et de cauchemars terribles. Et voilà. Paraît que ça fonctionne aujourd'hui. Là, maintenant? Oui, mais ils vont le couper dès qu'on sera trop près. J'espère bien. Il se passerait quoi, sinon? Aucune idée. Je sais pas vous, mais je préfère pas savoir. 182 tours et leurs antennes déployées sur près de 15 hectares. Voici ARP. Vous pensez qu'il se passe des trucs louches? Possible. Le problème, c'est que même les gens qui y travaillent ne savent pas trop ce qui s'y passe. Tout est parfaitement cloisonné pour que rien ne transpire. C'est bien le style des projets top secrets du gouvernement. Oui. Voici les antennes capables de projeter un rayon de 20 km de diamètre vers la ionosphère pour la faire chauffer et la transformer en super antenne à portée planétaire. C'est pas si flippant vu d'ici. Tu sais, faut jamais se fier aux apparences. On ne sait pas ce que ça fait, mais ça diffuse quand même des fréquences radio. Ça te fait pas peur, toi? Moi, j'aime pas trop. On devrait aller demander si on peut visiter. T'as raison. L'hélicoptère se pose devant le portail. Tu m'as dit que t'as déjà demandé l'autorisation de visiter. Oui. Et ils ont répondu quoi? Non, à chaque fois. J'ai appelé trois fois. Tu as fait trois demandes pour visiter le site et à chaque fois, tu as essuyé un refus. À chaque fois. J'ai appelé le site directement. J'ai appelé l'armée de l'air. En vain. Un vrai mur. Jesse Ventura décide de faire le pied de grue. Et son abnégation finit par payer. L'homme qui ouvre le portail ne porte pas d'uniforme et se présente comme le directeur du site. Il souhaite conserver son anonymat. Son message est clair. Jesse Ventura n'est pas le bienvenu. Je vais vous donner un exemple. Disons qu'on se rencontre à la taverne du coin et qu'on se met à discuter autour d'une bière, je sais pas moi, de pêche au saumon. Si au fil de la conversation, je parle de mon boulot et que ça vous intéresse, je pourrais très bien vous proposer une petite visite. Mais là, vous êtes associé à la télévision et ça change tout. Les règles d'accès sont différentes pour les médias. En gros, si j'éteins la caméra, je peux rentrer. Non, vous n'avez aucune chance d'entrer. L'homme propose au gouverneur de se présenter au jour officiel de visite. On a suivi la procédure. À la lettre. Et on a dû vous dire de vous inscrire à un jour de visite, non? C'est tous les 2 ans. Exactement, c'est la procédure. 2 ans. C'est une provocation. Vous devez contacter l'armée de l'air.
On l'a fait, et ils nous ont claqué la porte au nez. Ce truc est censé être un simple site de recherche, non? Il me semble évident qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'il s'y passe réellement. On travaille sur beaucoup de projets scientifiques sensibles. Écoutez, j'ai fait partie des forces spéciales. Quand l'armée se lance dans un projet, c'est qu'elle y voit un potentiel destructeur qui permet de gagner des guerres. Un dialogue de sourds semble s'installer. Veuillez vous éloigner pour ne pas gêner le passage du personnel, s'il vous plaît. Quand on me refuse quelque chose, ça ne m'impressionne pas, ça me fiche en rogne. Jesse est à deux doigts de forcer le passage. Mais tout à coup... Attendez, il se passe un truc. Tout tombe en rade. Les caméras se comportent étrangement. Quelque chose perturbe le fonctionnement des appareils. Top secret, mon œil, c'est des conneries. Jesse Ventura et son équipe n'ont pas dépassé le portail du site ARP, au cœur de l'Alaska. Jesse Ventura n'est pas entièrement convaincu que les antennes du système ARP puissent émettre des ondes radio capables d'influencer la volonté humaine. Mais le docteur Begich a l'habitude des sceptiques. Voici un appareil que des amis allemands ont mis au point. Nous en avons fait une démonstration lors d'une séance publique devant le Parlement européen. C'était un prototype, mais ça a marqué les esprits. Ça, c'est un lecteur de CD classique. Et ça, ce sont des transducteurs piézoélectriques. Pour faire simple, ces petits objets peuvent convertir un signal acoustique en signal électrique, qui va pénétrer le système nerveux et vous faire entendre des voix. Si j'allume l'appareil, que je place les transducteurs ici et que je me bouche bien les oreilles, je vais entendre la musique du CD alors que je ne porte pas d'écouteurs sur les oreilles. Ce n'est pas le nerf auditif. Le son emprunte un autre chemin. Il fonctionne? Il suffit de l'allumer. Allez-y, je veux essayer. Si je me colle ces trucs sur le cou, je vais être le seul à entendre de la musique alors que je ne porte pas d'écouteurs. Tout à fait. Bouchez-vous bien les oreilles, s'il vous plaît. Jesse Ventura avait des doutes sur la capacité des antennes du projet ARP, situé en Alaska, de prendre le contrôle de l'esprit humain. Mais le docteur Begich a un appareil permettant de démontrer comment l'émetteur ARP peut envoyer un signal directement au cerveau. Wow. Qu'avez-vous entendu? De la musique. Mais c'était étrange. J'essayais de comprendre d'où elle venait et ça semblait venir de là. Exactement. J'avais la sensation d'entendre le son venir du sommet de mon crâne et de mon front. Si on étudie le signal ARP, on constate qu'il transmet des informations acoustiques et que dès qu'il affecte notre cerveau, notre état émotionnel change. C'est facile à faire. Donc ça manipule le cerveau. Tout à fait. Souvenez-vous que c'est dans les années 60 que toutes ces études sur le contrôle de l'esprit sont apparues. Et le New York Times a découvert qu'un des cobayes de ces recherches n'était autre que le terroriste nommé Yuna Bomber. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir une petite compile hein, qui vous parle des chemtrails et du programme ARP. Pour comprendre à quoi peuvent bien servir toutes ces traînées chimiques appelées chemtrails hein, qui quadrillent le ciel de nos pays, hein, il nous faut nécessairement parler de ce système ARP, hein, qui veut dire Height Frequency Active Auroral Research Project. ARP est un programme de recherche dont la base expérimentale repose sur l'emploi de 182 antennes émettant sur de très hautes fréquences. Implanté en Alaska, le but initial de ce projet ARP hein, consiste à fabriquer une sorte d'arc antenne électrique hein, qui permettra de provoquer une pluie de radiation électromagnétique sur une zone bien prédéterminée. Ce programme ARP avait été lancé par les autorités militaires américaines afin de concevoir un bouclier de protection global rendant inopérant tout système de navigation et de guidage de n'importe quel missile en vol, et ce sur n'importe quel point du globe. L'idée de base de ce nouveau concept d'arme était de générer un faisceau d'ondes radio d'une intensité énorme, plus de 1,7 gigawatts, hein, en direction de la haute atmosphère selon le mode opératoire inversé d'un radiotélescope puisqu'il s'agit d'émission et non de réception, afin d'y provoquer l'ionisation de certaines particules neutres hein, par l'échauffement des électrons à certaines altitudes. L'ionosphère serait alors utilisée comme des lentilles, un miroir ou un système d'antenne. L'ionosphère constitue un bouclier électrique contre le bombardement cosmique constant de particules à haute énergie.
et les pièges pour les empêcher d'atteindre la surface de la planète. Sinon, on serait, il n'y aurait pas de vie hein, sur Terre. Hein. La partie de l'ionosphère concernée se situerait à une altitude comprise entre 60 et 800 km au-dessus de la surface terrestre. Les recherches officielles reconnues tendent à assurer l'amélioration des communications radio à longue portée hein, ou des moyens de transmission avec les sous-marins. La technologie ARP avait été développée dans le cadre d'applications purement militaires, hein, comme par exemple celui de perturber sérieusement les systèmes de communication des satellites, au point par exemple de plonger dans le silence une partie de la planète. Hein. De modifier, intercepter et contrôler la trajectoire de missiles ennemis hein, bien avant qu'ils n'approchent. Hein. De brouiller les systèmes de communication et navigation utilisés par les compagnies aériennes civiles ou militaires. Hein. La technologie ARP affecterait entre autres le système de guidage des baleines, des cachalots et autres dauphins, hein, perturbé par la puissance des fréquences infrasonores émises par les antennes ARP. Toute cette faune aquatique viendrait alors s'échouer sur les plages. Hein. La technologie ARP permettrait entre autres d'effectuer une exploration topographique bien plus performante hein, du sous-sol. Ces ondes pénètrent profondément dans le sous-sol de la planète, hein, ce qui permettrait aux techniciens de mieux repérer les gisements pétroliers, gaziers et bien d'autres minéraux. Hein. Donc la technologie ARP permettrait entre autres de repérer Donc cette technologie ARP permettra entre autres de repérer certaines cavités secrètes dans les montagnes en générant une imagerie tridimensionnelle. La technologie ARP permettrait aussi de cibler l'ennemi en contrôlant certaines communications radio sur une aire donnée hein, tout en maintenant le fonctionnement du système de communication interne. Bah, l'apparition des chemtrails ou des chemtrails dans le ciel de plusieurs pays hein, coïnciderait avec le lancement du programme ARP. Donc le constat est manifeste. Hein. Bien que ce programme ARP et l'apparition des chemtrails qui en seraient la résultante peuvent modifier quelques aspects climatiques de notre planète, à cause de l'utilisation d'importantes émissions électromagnétiques envoyées vers la ionosphère, hein, le but initial de ce programme consistait en fait à exploiter la nature énergétique de la ionosphère pour avoir une emprise totale sur les communications. Et ainsi, par le contrôle des communications, on peut espionner beaucoup plus facilement l'ennemi, brouiller son système de télécommunication et surtout détruire une partie de son potentiel de destruction via l'exploitation combinée des satellites du programme ARP et des chemtrails. Beaucoup disent que ARP aurait été conçu dans le but d'en faire une arme climatique. Certes, les émissions électromagnétiques de haute fréquence affectent quelque peu le climat de la planète, mais ce n'était pas prévu. Les scientifiques américains qui travaillaient sur ce programme ARP en avaient eu connaissance au fur et à mesure que le projet avançait. Car comme je viens de le dire, le but de ARP consistait à fabriquer des sortes de paraboles d'énergie au niveau de la ionosphère pour ensuite mieux surveiller les autres nations, voire les attaquer en cas de besoin. L'épandage des chemtrails dans le ciel de plusieurs pays hein, permettrait un meilleur contrôle de ces communications via le système ARP. Là, comme vous voyez dans l'illustration, vous avez l'intérieur d'un avion, hein, vous avez plein de bonbonnes, hein, ce sont des qui contiennent du gaz, hein, des composants chimiques hein, qui permettent, du moins qui sont liés au programme ARP. Bah, beaucoup pensent que les traînées chimiques laissées par les avions en vol ne seraient en fait que des traînées de condensation qu'on appelle les contrails. En effet, on confondrait souvent la vapeur d'eau qui sort des moteurs hein, de l'avion, qu'on appelle contrail, qui n'apparaîtrait seulement qu'à certaines altitudes et à une certaine température. Les chemtrails, eux, seraient épandus à haute ou basse altitude. Hein. Certains avions dispersants, les chemtrails ne suivraient pas toujours des couloirs aériens civils. Ils voleraient assez bas, avec une altitude inférieure à 4000 mètres, hein, 12 000 pieds. Altitude très peu favorable à la formation de traînées de condensation, dont la probabilité d'apparition augmenterait à partir de 32 000 pieds, c'est-à-dire à 8 000 mètres. Les chemtrails prendraient place dans le cadre d'un programme d'épandage aérosol global dans lequel les nations n'auraient pas leur mot à dire. Les élites pourraient être de la partie sans que leur propre population en soit réellement informée. Les rares personnes s'étant exprimées sur le sujet, comme le ministre italien Antonio Di Pietro, parle d'organisations militaires comme l'OTAN. Donc beaucoup de ces épandages seraient réalisés par les avions militaires de l'OTAN, qui de ce fait peuvent survoler tous les pays alliés
sans être inquiété puisque c'est l'état-major américain qui délivre les autorisations et les transmet à ses alliés. Certains pays seraient moins affectés par ces chemtrails hein, parce qu'ils n'intègrent pas l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Je parle bien entendu de la Russie, de la Chine et de certains autres pays. Hein. Les avions qui survoleraient ces deux pays pourraient assez rapidement être abattus. Hein. Donc on évite de les survoler. Ceci dit, si les Russes et les Chinois ont commencé à développer de leur côté un programme identique et qui ressemble à celui de HAARP, eh bien, ils commenceront eux aussi à y pendre des chemtrails, hein, comme le font les Américains actuellement. Concernant ces chemtrails de l'OTAN, leurs traînées ne paraissent pas sortir des moteurs, mais semblent bien provenir d'éléments aérosols qui auraient été installés sur l'avion. La plupart de ces éléments ont été installés dans une configuration particulière de telle façon qu'un observateur avisé puisse penser qu'elles viennent de la région du moteur, mais ça n'est pas le cas. Les traînées viennent des éléments aérosols montés sur l'aile ou sur le ventre ou ailleurs sur l'avion. La caractéristique première des chemtrails, c'est qu'elles disparaîtraient beaucoup plus lentement que les traînées de condensation d'avion. Resteraient plusieurs heures en forme de traînée et en s'étendant progressivement pendant un long moment, pour enfin former un voile artificiel. Durant ce temps, il est possible d'observer des volutes aux formes inhabituelles et très diverses. En règle générale, il en résulte un ciel brumeux et blanchâtre, voire éblouissant. Les avions qui seraient utilisés pour ces épandages voleraient lentement, ils seraient plutôt silencieux, bien visibles à l'œil nu et auraient des directions atypiques hein, par rapport à des avions de ligne normaux. Ces avions seraient la plupart du temps des ATR survolant l'espace militaire. Inquiétés par ces traînées chimiques, certaines personnes aux États-Unis auraient réussi à récupérer certains échantillons qu'ils auraient fait analyser. Et dans toutes les villes des États-Unis où des épandages auraient eu lieu, hein, vous obtenez toujours souvent les mêmes résultats, c'est-à-dire des niveaux d'aluminium des centaines de fois supérieurs au standard recommandé hein, par les autorités, du barium également à un niveau des centaines de fois au-dessus des doses de sécurité. Les chemtrails sembleraient agir comme un écran réfléchissant grâce aux particules d'aluminium et permettraient également d'étendre le fonctionnement d'armements électromagnétiques comme celui des radars et d'ARP. En associant les chemtrails au programme ARP, hein, il devient possible de contrôler totalement l'espace des télécommunications des adversaires et de stopper leurs missiles. Hein. L'utilisation des chemtrails servira entre autres à mieux transporter les ondes scalaires qui sont projetées par le programme ARP. Ce qui explique pourquoi toutes les nations gravitant sous l'influence de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, hein, sont les premières victimes de ces chemtrails. Hein. Certains pays qui étaient sous la sphère d'influence soviétique et qui aujourd'hui ont signé des accords militaires et commerciaux avec les États-Unis ont commencé à voir leur ciel se couvrir progressivement de chemtrails. Et sachant que certains de ces pays entourent la Russie, il devient évident que les Américains exploiteraient les chemtrails pour consolider leur système de communication de surveillance de la Russie. On peut désormais comparer HAARP à une sorte d'araignée, hein, et les chemtrails seraient en fait sa toile qui s'est progressivement étalée sur une échelle planétaire. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Maintenant, vous savez à quoi servent les chemtrails. Hein. Ils sont intimement liés au programme HAARP. Ça permet ces traînées qui quadrillent carrément le ciel, forment des sortes de mini-paraboles, j'allais dire, qui permettent au programme HAARP de mieux capturer ou les communications, voire de dérégler complètement les communications et les systèmes de surveillance de l'ennemi. Donc voilà, HAARP, programme HAARP est lié au chemtrail. Et ça vous explique pourquoi il y a un secret total autour de ces épandages de produits chimiques hein, au-dessus de vos pays. Hein. Parce qu'en règle générale, ce sont surtout des avions de l'OTAN qui agissent de la sorte. Si ce n'est pas des avions de l'OTAN, ce sont des compagnies privées hein, à qui on demande de faire le travail, mais bon, qui n'ont pas le droit de dire ce qu'elles font. Ce sont des compagnies privées mandatées par les services de l'armée américaine qui, agissant par l'intermédiaire de l'OTAN, hein, nous couvrent de chemtrails. Hein. Parce que comme vous regardez, désormais tous les pays européens, hein, tous les alliés des États-Unis, hein, que ce soit en Europe, au Canada, en Australie, sont confrontés à ces chemtrails. Hein. Ce n'est pas par hasard.
Bon, du côté russe, on évite parce que bon, les avions pourraient être détruits hein, s'ils n'ont pas d'autorisation bien précise. Donc, on évite au-dessus de la Chine et de la Russie de faire ce genre d'épandage. Par contre, en Europe, dans certains pays de l'Est, hein, on y va, hein, on y va de côté. Oui, on crée des sortes de paraboles énergétiques qui vont permettre de mieux capturer les communications de l'ennemi, voire à dérégler ses communications. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose avec le système ARP et toutes ces sortes de paraboles artificielles. On peut fouiller le sous-sol de la planète hein, pour savoir où se trouve le pétrole, le gaz, les gisements d'or, les gisements de minéraux rares. Voilà. Puis vous avez aussi les États-Unis qui ont réussi à découvrir certaines cavités étranges à l'intérieur de certaines montagnes. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur de ces cavités étranges, il y avait du matériel qui n'avait rien d'humain. Voilà à quoi sert le programme ARP et les chemtrails. Et bon, vous savez que depuis quelques années, vous avez des baleines, des centaines de baleines, de dauphins qui s'échouent sur les plages, hein. Beaucoup disent qu'il y aurait un lien entre les fréquences utilisées par ARP et les épandages de chemtrails. Tout ceci aurait, comment dire, une incidence sur le système de guidage de tous ces animaux qui, logiquement, lorsque vous brouillez leur système de guidage, ben, finissent par s'échouer sur les plages. Parce que probablement que pour les baleines, ils entendent des bourdonnements, comme les dauphins, donc c'est insupportable, donc ils essayent de sortir de l'eau. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre.